Marre d'être un paria, d'être quoi? Faire pour que ça change d'être soi. J'aimerais t'expliquer ce que ça fait d'être moi, mais je crains que tu craignes d'être moi. Ce qui te rend heureux est différent d'eux. Ce qui te rend malheureux diffère tout autant d'eux. Ce qui t'intéresse, ça les intéresse pas. Ce qui t'intéresse pas, ça les intéresse. Difficile de comprendre, difficile d'être soi. Tout devient contrainte, tout devient friction. T'aimerais te libérer de cette cage, mais tu ne peux pas vivre sans elle. À force de vouloir sortir du prolétariat, on oublie la noblesse du volontariat. Déconnecté du sentiment de communauté, on te laisse minauder sur le bas-côté. L'impression que ce monde n'est pas fait pour toi. Tes attentes sont trop élevées, tu veux être le héros de l'histoire. Tu veux être reconnu, tout le monde veut être reconnu. Tu abandonnes alors l'idée d'être reconnu. Pourquoi le monde est comme ça? Être un épervier nain dans l'océan Indien, mais pour l'instant je me sens comme un amphibien qui n'est ni fait pour l'autre ni pour l'un. Qui veut devenir quelqu'un alors qu'il est les gains. L'intelligence ça rend dingue, la raison ça rend fou. Si toi deux minutes et l'illusion se dissout, tu préfères payer des coûts, te rendre sous. Ne résous surtout pas ce qui se cache en dessous. Je sais pas comment tu fais pour ignorer tout ça. Je me sens si seul, pourtant on est tous là. Je suis pas un suiveur mais je roule en Tesla. Et j'ai pas la thune, je rentre en Vespa. Tous ces gens magnifiques que je ne comprends pas. Tous ces fils sublimes qui ne me connaissent pas. Tellement dur d'être soi, t'aimerais sortir de là. Mais t'as pas d'autre choix que celui d'être toi. Y'a cette fille approchable qui me donne envie d'être normal. Qui m'accepte pour ce que je suis mais aussi pour ce que je ne suis pas. Je rêve d'un futur avec elle mais je sais qu'il n'y a aucun potentiel. Elle me rappelle ce que j'ai quitté en devenant rationnel. Pourquoi le monde est comme ça? T'es un paria, maintenant qu'est-ce que tu fais? Prends tes jambes à ton cou et casse-toi vite fait. Falloir que tu apprennes à te débrouiller, te rendre compte à quel point tu es imparfait. C'est le début d'un voyage qui se fera tout seul. N'essaie pas de le déchiffrer, ce n'est pas un puzzle. Tout ce que t'as à faire, c'est entreprendre single et dire à tous les autres de fermer leur gueule. N'en fais pas ça, tu risques de finir comme moi. Écoute les autres, mais ne t'oublie pas. Prends-toi des murs et prends des notes. Reste fidèle à toi-même et l'univers fera le reste. La voie que t'as choisie est pittoresque. Ne pense pas qu'elle soit pharaonesque. Fais du mieux que tu peux tout en lâchant du lest. Et c'est ainsi que les enfants deviendront célestes. Il est facile de se perdre dans des discours édifiants ou dans des musiques qui te font passer le temps. Mais retiens bien que le plus important c'est de rester conscient et ancré dans l'instant. Et dis-toi bien que si tu n'as pas encore trouvé ta place, c'est peut-être parce que c'est à toi de la créer. Je prends le monde avec ce qu'il a, l'art de vivre comme un paria. Ils veulent pas de moi et c'est très bien comme ça, l'art de vivre comme un paria. Je prends le monde avec ce qu'il a, l'art pas moi, mais c'est très bien que ça. La...